Bon. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est là, je pense homme. Yes. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. Bluff, bluff. Hello. Hello, what's your name? Voilà, ça me va, chercher du fumé. Bah, fumez pas, c'est pas bien. Et puis après, on va aller à la mise à l'eau là, de Albi. Donc on va aller faire une petite pêche au Silure. Il y a un petit moment qu'on n'y a pas été. Bon, du moins, on va essayer, parce que là, c'est pas assez tôt, il fait chaud. On va aller à mise à l'eau d'Albi pour essayer ouais, le silure chevenne et puis tous les poissons qu'il y a. Et bien, la priorité, là, de Dieu! Bon, allez, on reprend de suite hein, parce qu'on peut pas conduire et filmer en même temps. Allez, let's go! Il y a des travaux, et apparemment la dame elle se prend la tête avec les ouvriers. Attendez, laisse-nous travailler, d'accord? On va appeler les flics alors. Elle dit qu'en fait ça gêne, mais bon, ils n'ont pas le choix parce que bon, voilà quoi. C'est Tati Daniel le retour. La mamie est de retour, mamie de le retour. Des mots, t'as des babettes. Voilà, chocolatine achetée, vous avez check. Vu la mamie, le retour, la mamie énervée là, tu sais. La benne est gêne, nanana, et le mec il a dit quoi, je fasse, vous avez vu ce que c'est, quoi, c'est une benne, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse, hein? Les gens ils sont énervés, je comprends pas. Oh, c'est ouais, zen les gars, vas-y, on se fait la brix, regardez. Non, non. Hop là. On a les asticots à domicile. Eric nous amène les asticots quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que veut le peuple de plus quoi? Livraison à domicile, ça va ou quoi? Merci à Eric, bah, c'est un abonné qui est déjà venu sur des sorties de pêche. Donc là on va se préparer à faire du chevenne. Tranquillou, tranquillou. Cacatabadab, la rarité a commencé. J'ai appris sa canne à pêche, elle a tout emmené. C'est le moulinier, le fil, enfin bref. Bon, ça y est, j'ai enfin monté ma canne. Ma canne Action. Comme celle-là. Ouais, oui, j'ai pris alors mon moulinet Abou Garcia parce que j'ai cassé l'autre canne Abou Garcia. Voilà. Bonjour la galère. Vous avez dû le voir sur la dernière vidéo, avant-dernière même. Avant-dernière. J'ai juste monté avec mes petits asticots et on va voir ce que ça donne. Voilà. Oh. Eh ben. Alors je suis pas. Ah oui, mais il est bon. Pour lui. Ah ben, bien joué, monsieur. C'est grand ça, au large. Hein. J'ai envoyé à la rage dans le large. Je m'en doutais parce qu'ils sont pas au bord, tu vois. Ah, elle est balèze. Hein. Il est beau. Par là-bas, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui est monté le voir. Hein. Il va... La branche, je comprends pas, elle était pas là dans la fois-ci. Je me rappelle pas que j'étais aussi gêné par la droite. Hein. Ah ben, la concentration, je tiens bien là quand ça pète. Hein. Et là, je me dis, soit le ferrage le chie et là, j'ai les boules. Thank you.
Bah, ça pêche, madame. Ben, j'attends, hein. T'attends ? Qu'est-ce que je veux faire ? On attend. Et j'attends, attendez quoi. Un peu de vent aujourd'hui, donc j'espère qu'avec le micro ça va pas trop foutre de la merde là. On a de l'activité, hein, donc c'est mieux cassant un petit peu là, on a regardé vite fait, ça a rien donné. Là je me mets à la verticale et je vous garantis, il y a de l'activité de ouf. Voilà, regardez là, vous voyez, il y avait un qui était dessus, de toute façon il y a de l'activité. Hein. Bon, on va faire un poisson ou pas ? Bah bien sûr. Ouais, alors vu que j'ai mon chat noir. Le chat noir qui s'éteint les cheveux en noir en plus. Non, c'est pas noir. C'est mis en noir parce qu'on a les marques, on dit que c'était la blonde. C'est parce que c'est monté en flèche quand j'ai palmé. Allez, va. On vous laisse et on vous dit au premier poisson. Enfin, on espère. Hein. Et oui. J'ai faim. Tu manges la chocolatine ? Oui. La chocolatine ou le pain au chocolat, les potes ? Je sais plus. Voilà. Ceci est une chocolatine. Et pour les autres, un pain au chocolat. Allez, bon appétit. Hein. Oh. On les a achetés dans une boulangerie qui n'est pas une boulangerie, c'est enfin, un point chaud, etc. Combien on a payé ça ? 1,20€ la chocolatine. 1,20€ ce truc là, tu sais, le truc que tu trouves chez Lidl. C'est pas dégueulasse, mais voilà, 1,20€ pour ça, ils abusent pas quoi. C'est même pas des vrais pâtissiers quoi. L'inflation, mon gars. Oula, j'en ai un joli par contre. Hein. Ah. Si je coupe le téléphone, vous aurez compris qu'il n'y a rien de touche. Hein. Mon dieu, s'il monte qui tape, je suis pas dans la merde. Tiens. Voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a pêché un peu en bordure. Du coup, on se décale au milieu parce qu'on voit qu'il y a plus d'activité au milieu. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça vous aussi si jamais vous voyez que c'est pas très actif. De vraiment chercher les zones un peu partout. Voilà, faut vraiment pas hésiter à aller chercher partout quoi. Bon, après cette petite chocolatine hein, ou pas un chocolat. Mais on va essayer de faire un poisson quand même. Hein. T'attends l'été, c'est pour te dire ouais, le silure, nanana. Et puis il y a des fois, ben, c'est comme ça, hein, tu fais qu'on y fasse. Hein. Bon, allez, on vous laisse hein, et on vous dit à de suite. Hein. Il est bien fondant le chocolat. Et alors ? J'aime bien. Madame a voulu essayer la petite canne à pêche et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle accroche. Comme d'habitude. T'as un fiche. Ouais, t'as un fiche. Ouais. Oh, du coup, mais elle me fatigue, mais à un point. Tout le temps en train d'accrocher, machin. Ouais, le pire, c'est ça, c'est qu'elle tire. En plus, on entend le mounis se dérouler, laisse tomber. Elle avait même pas serré le frein. Ouais, je crois qu'il y a un poisson qui l'a suivi, mais il m'a fait tourner en rond, quoi. Il a tiré le flot tube, le cheval. Ouais, t'as cassé, quoi. T'as cassé. Ah, tu sais combien de pouces bleus vous avez gagné. Ouais, il était tout bon, allez, on a utilisé un peu. Bon. Elle a remis le vif au cassant, parce que c'est un gros vif que j'avais, qu'on n'a pas vu de gros silures, et je me suis dit c'est un peu dommage de l'utiliser à la verticale. Donc là on l'a posé à l'endroit où j'avais fait le record, sur une vidéo là où il y a 2,20 m, où j'ai fait pas mal de gros poissons d'ailleurs. On va voir ça là, je sais pas, c'est bizarre parce que je l'ai à peine posé, il est déjà en fuite énervé, donc on voit le fil vif ou net, avec un joli bateau et deux parasols. En vrai c'est ce que je voudrais faire moi pour le flottube. Bon mais voilà, après j'ai fait un tube là tu sais avec un parasol, et après quand il y a du vent je te raconte pas. Mais me casse pas le truc. Faut que ça pète. Les gars, c'est parti. C'est range, poisson. Yes. Allez, je l'ai. Ouais, c'est pas un gros. En direct, les potes cassants. Je l'ai. C'est bon. Ça a marché. Trop contente. C'est pas grave. Fiche. Yeah. Oh, il est pas content. Oh, le coquinou. Yes. Eh, bonjour. Nouveau montage double hameçon. Ah, c'est pas un géant. On a tout vu en direct, là, la touche. On a laissé faire, vous avez vu. Je l'ai laissé partir. Et une fois j'ai pris contact avec lui, que je savais qu'il partait, qu'il avait tout dans la gueule, c'était parfait. Bon, c'est pas un gros, mais bon, franchement, il fait plaisir. Hein. Allez, on va prendre contact avec lui. Allez, hop, ça c'est bon. Allez, on va s'écarter un peu de là parce qu'on voit rien là. Bah ouais, beau pépère, il est mignon. Au cassant, hein. Et là, on a tout vu en direct. Hein. C'est énorme. Trop pêche. Bon, franchement. Bon, c'est pas un gros, mais on s'en fout. Un fiche, parce qu'il est beau, il est magnifique. Hein. Oui, il est comme moi, il est beau. Magnifique. Thank you.
C'est validé. Bien joué. Ben, je suis contente. Si tu veux en voir d'autres, ben, tu mets « je veux en voir d'autres » en commentaire. C'est à mon tour maintenant. Bon, vous avez vu ça les potes, voilà, on a tout vu en direct, hein. C'est un truc de ouf, mais cette pêche là vraiment je vous la conseille, surtout sur des zones voilà, qui sont pas trop pêchées, c'est une tuerie quoi, là t'attends, alors pour le moment elle serait parfois radicale, ça peut même pas durer 5 minutes, là on a attendu un petit peu plus, je pense une grosse demi-heure on va dire, et bien, ça a été tout en direct, ah, donc ça a cassé, c'est parfait, voilà, poisson validé, nouveau montage validé, oui, parce que là cette fois-ci je fais les montages avec double hameçon, je fais mais plus de triple en bas en fait. Et je voulais tester, voir et bon, c'est validé. Il l'avait pris un peu sur la joue donc il avait pas plein de gueule. Ouais voilà c'est validé quoi. C'est plus facile aussi de faire le poisson je pense avec un hameçon qu'avec un triple, ça c'est mon avis. Et bon après c'est sûr que c'est la pêche au vif, mais moi voilà comme j'ai toujours dit je pêche au vif, ça fait partie des pratiques de pêche, comme parfois aussi de pouvoir manger du poisson, on a le droit quand même de manger du poisson. On n'est pas là que pour le plaisir de pêcher, il y a aussi voilà si tu veux manger. T'as le droit de temps en temps manger du poisson, c'est pas interdit quoi. Bref, on va continuer. Hein. Si tu vas aller cette méthode pêche, n'hésite pas, le petit pouce bleu. Et on va pas tarder voilà, à partir en road trip. Donc du coup, on va vous rencontrer un petit peu tous, hein, une grosse partie lors de notre périple dans la France. Voilà, et donc du coup, ça serait sympa, on fera des pêches différentes, pas que pour le cidre aussi. De toute façon, on fait plusieurs types de pêches voilà, sur des poissons différents. Prépare-nous le petit apéro, parce que quand on arrive chez toi, toc toc toc, qui s'essaiera de ton fiche, on vient pour voir l'apéro quoi. Voilà, on continue. Allez, bon, je suis toute seule là, sur l'eau. Qu'est-ce que ça donne une femme seule aussi lieu sur l'eau? Parce que j'ai pris le clonk de monsieur. Ah, c'était pas mal ça. Oh oui. On dirait moi quand je coule que je plonge dans la piscine. Brouf. On est bien là, t'es. J'ai une touche. Non, je rigole. Bon, je viens de faire un petit rotang, mais vous allez voir la couleur du rotang, truc de ouf là, parce que j'essaie de faire du vif. Mais franchement, il y a une couleur. Regardez la couleur du rotangle, regardez-moi cette couleur. C'est tout petit, mais vous avez vu la couleur rouge? Truc de ouf. Magnifique. Bon, allez, on va le remettre à l'eau, le pauvre. T'as pas réussi à faire le cassant, donc c'est toi le cassant. Non, mais mort de rire. Eh, mais va falloir qu'on t'apprenne. Hein. Elle a pas réussi à faire le cassant, donc madame s'accroche à la branche comme si c'était le cassant. Non, mais bon, moi j'ai bien. Bon, en tout cas, moi j'ai passé les commandes des pizzas, les frérots. Donc, du coup, on mangera ensemble, ça vous dit ou pas? Voilà, petite pizza, on vous montrera ce qu'on a pris là. Il va faire faim, alors là il fallait des pizzas, tu vois. Mais ce qui est bien, tu vois, on est sur l'eau. Tu commandes avec Just Eat, ce que tu veux, Deliveroo ou machin. Ouais, des bouchées et mentales. Pizza chèvre, jambon, miel. Moi j'ai pris pizza, je sais même plus, j'ai pris quoi. Attends, je sais plus ce que j'ai pris moi. Bon, bref, on verra après, je sais même plus où. On va se régaler. Bon les gars, petit souci, voilà, donc on avait commandé des pizzas par l'application Just Eat. C'est l'application qui va commander à notre place. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que notre commande avait été annulée, on sait pas pourquoi. Donc du coup, on a appelé la boîte à pizza. Le mec était dégoûté, donc voilà, nous on leur en veut pas du tout, c'est pas leur faute à eux. De toute façon, ils sont vraiment super à la boîte à pizza. C'est ta faute, hein? Oui, c'est toujours ma faute. Alors. Ça y est, bonne nouvelle les gars, les pizzas sont enfin arrivées. Comme je disais, Just Eat, ils vont se faire foutre. Et la boîte à pizza, gros merci à vous. Ah merci, ça, ils ont été très rapides. Ouais, très rapides, du coup, ils ont pu compenser voilà, Just Eat qui ont fait du caca. Bon bref, on va vous montrer ce qu'on a pris. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as pris? Ça. Alors ça, c'est quoi? C'est, ah oui, alors, je crois que vous connaissez. C'est alimental. C'est alimental, mais qui est, comment on appelle ça Ouais, c'est dépanné d'alimental, on se revient dedans. Ensuite, pizza, donc moi j'ai pris, c'était quoi, la rustique aux chèvres? Ouais, alors, c'est celle-là. Waouh. Donc voilà, rustique aux chèvres, regardez-moi ça. Pinaise. Et toi, t'as pris Chèvre, jambon, comme moi, chèvre, miel. Ah oui, stylé celle-là. Elle est belle. Donc voilà. Eh, mais moi je suis pas avec eux! Normalement ça. Donc les mentales, ouais, c'est trop. Après, vous avez, il y a plusieurs trucs, il y a les mentales, je crois, avec camembert. Ouais. Il y a plein de dérivés comme ça, c'est vachement bon. Bon quand même. Petit garo coca. Donc voilà, comme je disais, franchement, je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode-là, ben, si vous pouvez, bien sûr. Mais tu peux le faire que ce soit en canoë, en flotte-tube, en kayak, enfin en canoë. En kayak. Tu peux le faire aussi en zodiac, enfin bref, et là ça te permet de faire des spots si tu veux, justement, qui sont parfaits, parce que le but
c'est de faire des spots voilà, où en face de ces spots-là de silure, des encombrements, etc., qu'il n'y ait pas de berge, tout ça, tu vois. On va goûter la pizza. Donne-moi bien ça. Bien sûr. Elle sent trop bon. Elle est bonne. Trop trop bon, j'ai pas pris de chèvre. Il est tombé le chèvre. Elle est trop trop. Eh, elle a du lard. Il n'a pas vu, il y a du lard. On passe pas à la bouche pleine, mais là, c'est une tuerie. Je sais pas ce que vous en pensez des boîtes à pizza, mais nous, celle d'ici, franchement, c'est fait, mais vraiment maison. La pâte, elle est très très bonne. Franchement, c'est une tuerie. Moi, franchement, je vous conseille. Petit verre de coca. Trop bon. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo, les potes. Restez sages, surtout allez pêcher et prenez soin de votre famille, de vos poissons et aussi de la nature. Voilà, et n'oubliez pas, un fiche. C'est un fiche. Voilà, un fiche, c'est un fiche. Voilà, vous prenez pas la tête, les records, ceci. Déjà, qui fait un maximum. Et nous, on se voit très bientôt, les potes, sur les routes de France. Ouais, allez, sur ce, bye bye. Salut. Boum.